Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un truc que je viens de découvrir sur Fortnite. Alors j'étais en train de me balader en labo de combat sur Fortnite et là je suis passé à côté d'un PNJ qui était en train de manger une pizza au KLM. Alors je me suis dit normalement il n'y a pas de PNJ là, je comprends pas. Donc je me rapproche du PNJ et là je vois que je sors une pizza et je commence à manger avec lui. Donc là je me dis ah ouais mais carrément en fait si je mange avec lui je vais récupérer de la life. Et en fait c'est exactement ça, si vous mangez avec lui vous récupérez de la vie, mais en plus de ça si vous restez un certain laps de temps avec lui, il va carrément vous lancer du bleuvage, donc c'est encore plus stylé. Et juste avant de rencontrer ce personnage, j'avais justement croisé un autre personnage qui venait d'apparaître devant moi, qui était près du pont de l'hydrocèse. Donc je suis retourné voir justement où j'avais croisé ce personnage et là j'ai remarqué que le PNJ faisait une autre animation. Donc là il était en train de faire du sport, bien entendu j'ai ma vie au max, donc je ne sais pas si ça vous redonne de la vie, mais je pense que oui, en faisant du sport avec lui vous allez regagner quelques PV et après un certain laps de temps, il va carrément vous envoyer du bleuvage, comme l'autre PNJ qui a interagi avec moi. Donc en fait je ne sais pas s'ils sont déjà disponibles sur la map de Fortnite, mais s'ils ne le sont pas, ça veut dire que prochainement, Fortnite va rajouter des PNJ dans la map qui va vous permettre d'interagir avec eux et pouvoir récupérer de la vie gratuitement. Après, je ne sais pas si les emplacements des PNJ seront fixes ou si les emplacements seront aléatoires, mais de toute façon, dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant de ce nouvel ajout. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.